Bonjour à toutes et à tous, je suis Dominique Lejeune et je suis très heureux de vous retrouver à Besançon pour un cycle de cours intitulé « Nations en quête de leur passé » et spécifiquement « L'histoire coloniale de la France entre les débuts du XIXe siècle et j'irai jusqu'en 1939 », contrairement à ce qui avait été annoncé, ne m'écoutons pas. Il y aura 4 cours, comme prévu, plus une conférence. Le premier cours, celui d'aujourd'hui, est consacré au début du nouvel empire colonial français, avant 1864. Un deuxième cours sera consacré aux hommes et au mouvement colonial entre 1864 et 1914. Là, nous rechercherons ensemble les modalités et surtout les causalités de cette expansion coloniale. Expansion coloniale qui sera le titre d'un troisième cours, un demi-siècle d'expansion territoriale 1864-1914. Et enfin, nous verrons, débordant la date annoncée de 1914, nous verrons l'Empire pendant la Première Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres. J'enverrai à la demande les textes longs de ces 4 cours, ainsi que de la conférence. D'ailleurs, à la demande, ça signifie par courriel, adressé à, je dicte, DOMILEJEUN, surtout pas le E final de Lejeune, @aol.com. J'enverrai aussi à la demande le PowerPoint que j'avais préparé et que je n'ai pas pu présenter. Normalement, le secrétariat a dû vous l'envoyer. Je suis persuadé qu'il l'a fait, mais si jamais vous ne l'avez pas reçu, vous me prévenez et d'autre part, je mettrai moyennant un petit délai, il faut qu'ils examinent la chose, je mettrai ce cours, les suivants et la conférence sur le portail du CNRS. Le portail du CNRS, c'est HAL, H-A-L, comme l'ordinateur de 2001, Odyssée de l'espace, H-A-L, trait d'union, S-H-S, pour sciences humaines et sociales. Mais si vous faites HAL tout court, ça marche quand même. Il suffit de choisir ensuite. Et ensuite, vous tapez mon prénom et mon nom, Dominique Lejeune. Donc, aujourd'hui, les débuts du nouvel empire colonial français avant 1864. Construction d'un second empire colonial français après celui de l'Ancien Régime, après celui des temps modernes, des terres australes françaises, de la France australe, comme on disait, jusqu'aux arpents de neige du Canada, cher, si j'ose dire, à Voltaire. Nouvel empire colonial français, mais je suis historien, donc je me poserai la question du pourquoi, la question du comment, la question du quand, et je m'efforcerai de déborder, bien entendu, de l'histoire événementielle sans faire le moraliste, ce que je ne suis pas, sans faire le philosophe à deux sous, ce que je ne suis pas, surtout à deux sous. Il y a à l'évidence des causes, des groupes de pression, des historiographies à l'œuvre, car je ne suis pas le premier à avoir écrit partiellement cette histoire. Il y a des périodes d'intensité variée, pensons à la conquête de l'Algérie pour aujourd'hui, et la césure de 1870, tout à fait traditionnelle, doit être abandonnée au profit d'une revalorisation des dernières années du Second Empire, établissant donc une intéressante continuité entre le Second Empire et la Troisième République. La colonisation républicaine, d'ailleurs, est-elle unanime? Eh bien, je pense que non, contrairement
à ce que l'on prétend ici et là? Respecte-t-elle les indigènes? Bon, évidemment non, là. Donc pas d'anthropologie, pas de morale, mais de l'histoire. De l'histoire avec une bibliographie rapide que je n'ai pas le temps de vous donner par oral, mais vous l'avez sur le PowerPoint et a fortiori sur le texte long que vous pouvez me demander. Et dans cette bibliographie, oui, vous verrez ma thèse sur les sociétés de géographie. D'autres publications figureront en note dans le texte long, bien entendu. Une historiographie traditionnelle, celle du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle, est souvent faite d'acteurs, de voyageurs, d'administrateurs, d'officiers, de missionnaires, de sociétés de géographie, de groupes du parti colonial, et ceci dans un sens assez hagiographique. Il s'agit de justifier et de glorifier la colonisation française. Déjà à cette époque, dès le 19e siècle, cette histoire de l'histoire s'intègre dans l'histoire des relations internationales. Un sommet est atteint en 1931 avec l'exposition coloniale internationale. Un congrès international d'histoire coloniale, tenez-vous bien, à Paris, des atlas, des grandes histoires qui sont publiées, notamment entre 1929 et 1933, donc en encadrant l'exposition internationale. Mais il y a déjà, au premier XXe siècle, au moins une ou deux grandes exceptions de personnes qui ruent dans les brancards, si j'ose dire. C'est le cas en particulier de Charles-André Julien, que je n'ai pas eu la chance de connaître directement, un militant anticolonial de gauche, communiste en 1920, socialiste en 1936. Mais il y a aussi Jean Drech, Dresch, un géographe que j'ai bien connu et qui s'était spécialisé dans le Maroc, mais qui lui aussi a dessiné une histoire anticoloniale. L'école des Annales, cette fameuse école qui naît en 1929, eh bien, n'est pas à mentionner parce qu'elle passe complètement à côté de l'histoire coloniale. Le grand mouvement de rénovation se fait avec un retour à l'histoire du colonisé. L'histoire des peuples colonisés a surtout émergé à partir des indépendances et au moment de la fin du primat de l'écrit, des sources écrites, avec une grande importance de l'ethnographie. Mais les historiens classiques, c'est-à-dire les historiens hors de l'histoire coloniale, sont restés méfiants, ne serait-ce qu'à cause de l'origine ethnographique de ce renouveau, et ils ont tenu l'histoire coloniale comme une cousine pauvre. Et les chaires d'histoire coloniale au XXe siècle se sont petit à petit rétractées et ont fini par disparaître. Autre élément de l'historiographie récente, l'étude des forces, dans un sens ou dans l'autre, dans le sens de la colonisation ou dans le sens de l'anticolonialisme, l'étude des groupes de pression en particulier, l'étude des pays avant la conquête. Et par exemple, on a souligné l'importance de la traite des Noirs opérée par les Arabes, ce qui s'appelle la traite arabe, la traite d'ouest vers l'est, cette fois-ci, et non pas la traite transatlantique, l'étude des opinions publiques et les réactions du colonisateur face au phénomène colonial et les débats sur l'intégration, les lois d'amnistie, l'aspect positif
Grande question, l'aspect positif de la colonisation française, qui a été fort débattu ces derniers temps. La mémoire dans son jeu avec l'histoire, la commémoration, les musées, vous savez bien de quoi je veux parler évidemment, et puis les zoos humains qui ont existé largement avant 1914 sous la forme de cirques qui parcouraient l'Europe occidentale et sous la forme d'installations pérennes comme au jardin d'acclimatation à Paris. Jardin d'acclimatation avec un zoo humain. Et il y en a bien entendu dans le cadre de l'exposition internationale de 1931. À l'heure actuelle, l'histoire coloniale est devenue un versant parmi d'autres de la science historique dans son ensemble. Elle a vécu en tant que telle, et ce n'est pas mal du tout. Mais mon étude des sociétés de géographie, travail universitaire, il est au carrefour de l'histoire coloniale, de l'histoire de la pensée, de l'histoire sociale, bien entendu, que sais-je encore, et c'est tant mieux. J'ai toujours aimé l'histoire charnière, les sujets charnières. Alors, voyons donc les débuts du nouvel empire colonial français avant 1864. Date, rassurez-vous, que je justifierai. Une première phase est très simple à déterminer, c'est avant qu'on se décide à vraiment faire la conquête de l'Algérie, la conquête intégrale si possible de l'Algérie, donc avant 1840, l'ère de la timidité et des hésitations, 1815-1840. Quelle est d'abord l'œuvre de la Restauration? Au traité de Paris de 1814-1815, le domaine colonial français est réduit à quelques îles et à quelques comptoirs épars, et les circonstances sont peu propices à une expansion coloniale, ce qui n'émeut guère l'opinion publique française. Deuxième point de départ, lui, est aussi absolument essentiel. Par un article additionnel au traité de 1814, Louis XVIII, porté sur le trône de la Restauration, promet de renoncer, dans un délai de 5 ans, à la traite des Noirs. À la traite, attention, pas à l'esclavage pour l'instant. On est dans la foulée de ce que la Grande-Bretagne a désormais interdit, et les puissances navales, c'est-à-dire pour l'essentiel la Grande-Bretagne, vont pouvoir surveiller les navires traversant l'océan Atlantique en particulier pour vérifier qu'ils ne transportent pas de noirs à fond de cale. Troisième point de départ, est restitué, sont restituées à la France ses anciennes colonies occupés par la Grande-Bretagne pendant les guerres napoléoniennes. Des territoires qui se trouvent victimes de leur éloignement, à la Guadeloupe par exemple, la proclamation de l'Empire, la deuxième proclamation de l'Empire, c'est-à-dire le début des 100 jours, intervient le jour de la bataille de Waterloo. Alors la France se rétablit en particulier au Sénégal, c'est-à-dire un petit Sénégal pour l'heure, c'est Saint-Louis du Sénégal, c'est Gorée, etc. Et pour se rétablir là-bas, la France envoie la fameuse Méduse. Vous regardez sur le PowerPoint le fameux tableau de Théodore Géricault. Elle envoie la Méduse, commandée par un ancien émigré, frégate amirale d'une petite flottille. À noter que l'épave a été retrouvée à la fin de l'année 1980. Le radeau de la Méduse, qui s'appelle d'abord Scène d'un naufrage, est peint par Géricault en 1818-1819, c'est-à-dire très peu de temps après le naufrage, et c'est un tableau gigantesque, il fait plus de 4 mètres sur 7. Est restituée aussi la Guyane, occupée par les Portugais, cette fois-ci les Portugais du Brésil. Les comptoirs de l'Inde sont
restituée en 1817 seulement, comme d'ailleurs la Guyane. Et au total, la France de la Restauration qu'a-t-elle comme colonie? La Martinique, la Guadeloupe, bien sûr, quelques îlots antillais, la Guyane, l'île Bourbon, c'est-à-dire la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, les comptoirs du Sénégal et les comptoirs de l'Inde. Les colonies sont du ressort du ministère de la Marine, avec quelques tentatives de mise en valeur sous la Restauration, des expériences agricoles au Sénégal, l'envoi de coolies chinois à la Guyane, puis d'orphelins et de pseudo-volontaires, avec des épidémies qui déciment ces envois. Une petite tentative d'expansion coloniale a lieu sous la Restauration, à Madagascar, depuis les Bourbons, bien sûr, et ça échoue, en Annam, et c'est aussi un échec dont nous reparlerons peut-être plus loin si j'ai le temps. Dans l'océan Pacifique, des missionnaires français préparent, dès 1835, donc sous la monarchie de Juillet, la voie à l'établissement du protectorat sur Tahiti, qui interviendra en 1842, mais les gouvernements français n'ont pas vraiment de visée d'expansion coloniale dans le Grand Océan, tout au moins avant 1839. Pourquoi cette date de 1839? Parce que c'est la date à laquelle la France doit renoncer à une visée assez vague sur la Nouvelle-Zélande. La Grande-Bretagne s'est installée en Australie et elle considère que la Nouvelle-Zélande est sa chasse gardée. Donc la Polynésie française va être en quelque sorte une voie de substitution, de compensation. Persiste une mentalité d'Ancien Régime, d'un triple point de vue. Premier élément de cette mentalité, la fidélité de ce que l'on appelait au temps de Colbert le pacte colonial, c'est-à-dire que les installations artisanales, voire industrielles, dans les colonies ne doivent pas faire concurrence à la métropole. Alors les tanneries qui avaient été ouvertes à la Martinique pendant les guerres napoléoniennes, par exemple, elles sont fermées à la Restauration. Deuxième point de vue, une perspective missionnaire. Retrouvant la tradition jésuite vis-à-vis de la Chine, il s'agit de convertir les lointaines peuplades et le premier navire envoyé auprès de l'empereur d'Annam, expédition que j'évoquais tout à l'heure rapidement, emmène quatre missionnaires, ce qui fait échouer l'ambassade, ce qui va amener à une certaine réflexion de la part du pouvoir politique. Si nous adjoignons des missionnaires à une expédition coloniale civile, ça va provoquer ici et là des réactions. Troisième point de vue, le maintien de l'esclavage. Ah oui, l'esclavage avait été aboli par la Convention, mais rétabli par Napoléon Bonaparte. Et une traite clandestine destinée à alimenter l'esclavage, pour l'essentiel dans les Antilles françaises, une traite clandestine se met en place sous la Restauration, avec une vigueur qui est tout à fait appréciable. On essaye de passer entre les mailles du filet de la surveillance britannique, ce qui n'est pas trop difficile. La conséquence, c'est que le nombre d'esclaves dans les colonies françaises augmentent. A contrario, il y a début d'un mouvement anti-esclavagiste, d'autant plus que l'Angleterre supprime l'esclavage dans ses colonies en 1833. Ce mouvement anti-esclavagiste, il est fait pour l'essentiel de deux sociétés. Il y a un mouvement associatif qui est très caractéristique de la première moitié du XIXe siècle. Première de ces associations, la Société de morale chrétienne,
Et deuxième, la Société pour l'abolition de l'esclavage, fondée en 1834 et qui est présidée par le duc Victor de Broglie. La monarchie de Juillet est un régime plus libéral ou libéraliste, si vous voulez, au sens moderne du terme, que la Restauration. La grande bourgeoisie, qui est un peu l'épine dorsale du régime, est hostile au vieux système colonial. En 1833, la Martinique et la Guadeloupe sont en gros libérées du pacte colonial, mais les armateurs et les gros colons font échouer toute réforme d'envergure et en particulier toute tentative de suppression ou d'amélioration de l'esclavage. Le groupe de pression des armateurs, il est centré sur Bordeaux, dont un défenseur est le baron Portal, premier ministre de la Marine de la Restauration. Les gros commerçants, ce sont les milieux économiques marseillais qui vont être les seuls favorables à l'expédition d'Alger. Encore n'évoque-t-il comme argument que la simple nécessité de s'assurer contre les corsaires, d'assurer donc la sécurité de la navigation en Méditerranée. Les gros colons ont comme défenseur un personnage fameux, le comte de Villèle, ancien planteur aux Mascareignes, c'est-à-dire à La Réunion et à l'île Maurice. Et il a un beau-frère qui est natif de l'île Bourbon et qui est député de la Meuse et qui œuvre dans le même sens. Les Saint-Simoniens sont aussi une pièce maîtresse des mentalités du premier 19e siècle. Les Saint-Simoniens, ce sont des proto-socialistes, si vous voulez, qui font une forte propagande pour l'Algérie, moyen dans leur esprit de réconcilier l'Orient et l'Occident. Il y a une forte tonalité religieuse dans le saint-simonisme. Il pousse au creusement du canal de Suez, à la jonction des deux mers, comme ils disent, et il mène un apostolat princier auprès du duc d'Orléans, l'héritier de Louis-Philippe, qui se tue accidentellement en 1840. Il y a évidemment un lien entre les colonies et l'exploration. L'exploration, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les grands voyages de tour du monde, les grands voyages de circumnavigation d'après 1815, pour lesquels l'aspect scientifique et géographique est primordial. C'est le voyage de l'Uranie, de Louis de Freycinet, de la coquille de Dupéret, de la Thétis de Bougainville fils et de la fameuse Astrolabe dont vous voyez une maquette sur le PowerPoint, l'Astrolabe de Dumont-Durville. Gros est le succès d'édition et de lecture, de publication et d'ouvrages qui concernent les voyages et la géographie. Ces ouvrages offrent en quelque sorte des voyages par procuration à des Français de la métropole qui les lisent enfoncés dans leur fauteuil, dans la quiétude de leur cabinet de travail ou de leur salon. Il faut signaler quand même un petit peu la Société de géographie de Paris, qui naît en 1821 et dans laquelle la géographie est comprise comme synonyme, il n'y a pas de meilleur mot, comme synonyme d'exploration et qui encourage les voyages, qui les encourage avant et qui les récompense une fois qu'ils sont faits. Mais les géographes, paradoxalement, jusqu'en 1864, ne s'intéresse guère à l'expansion coloniale qu'il trouve vraiment triviale, trop matérielle.
Grande est évidemment l'importance des explorations de Dumont-Durville dans les parages de l'Antarctique, et en 1836, cet explorateur déjà confirmé est chargé par Louis-Philippe, à qui il a soumis le projet, d'une mission de reconnaissance dans les terres australes. Il découvre alors des terres qu'il baptise Louis-Philippe, Joinville et Adélie. La réussite de cette entreprise lui vaut le titre de contre-amiral en 1840 et la grande médaille d'or de la Société de géographie. Toute cette exploration, toute cette géographie est au fond une forme de sublimation de l'épopée napoléonienne. On ne peut pas prendre sa revanche de Waterloo, on ne peut pas reconquérir la rive gauche du Rhin. Alors, allons ailleurs, explorons. Et puis, il y a un phénomène de génération. Hein, la génération qui a connu les guerres de la Révolution française et de l'Empire, qui a voyagé de cette façon, elle passe. Et la génération suivante a envie de faire sa place au soleil, d'une autre façon. L'importance des missionnaires est à bien comprendre. D'abord, les secteurs qui sont concernés par les missions religieuses sont à préciser. C'est surtout l'océan Pacifique avec des heurts avec les missions protestantes anglaises. Les missions françaises sont quasi exclusivement catholiques et on se heurte avec les missions protestantes anglaises, ce qui a des conséquences internationales. La France a tendance à rendre la Grande-Bretagne responsable des heurts et vice-versa, bien entendu. Il faut dire que les missions catholiques ont été réveillées sous le long pontificat de Grégoire XVI, ce pape qui est au siège de Saint-Pierre entre 1831 et 1846. Les missions sont soutenues par l'œuvre de la propagation de la foi, fondée en 1820, en 1822, juste un an après la Société de géographie. Et fondée par qui? Eh bien, ça va être la première des rares femmes de ce cours, je fais ce que je peux, hein, l'histoire et l'histoire, fondée par Pauline Jaricot. Un dernier élément du contexte est le rétablissement ou la fondation de nombreuses sociétés missionnaires aux alentours justement de la date de création de la Société de géographie de Paris. Rétablissement de la Société des missions étrangères, par exemple, de la Société des Lazaristes, autre exemple, des Pères du Saint-Esprit, fondation de la Société des missions évangéliques et surtout des Oblats de Marie Immaculée, des OMI, comme on dira un petit peu plus tard, par Monseigneur Eugène de Massenot, dont vous avez trois représentations sur le PowerPoint. Il est évêque de quel siège? Évêque de Marseille, à partir de 1837. Mais contrairement aux idées souvent reçues, l'attention que porte à la géographie, même au sens le plus large du mot, les publications de ces sociétés missionnaires, quand elles en ont, eh bien, est très simple à préciser, l'attention scientifique est strictement nulle. Donc, ces sociétés missionnaires sont purement et simplement missionnaires, mais elles doivent jouer un rôle dans l'histoire coloniale, a posteriori. Le gros morceau, avant 1840, c'est bien sûr l'expédition d'Alger et ses suites immédiates, une expédition qui a pour cause, eh bien, souvenez-vous des Marseillais de tout à l'heure, pas du tout même, l'impératif économique de la conquête coloniale. Cette expédition
elle est décidée dans le but de redonner du lustre au régime de la Restauration, car elle est décidée dans les derniers mois d'existence de la Restauration. Prendre sa revanche sur la rive gauche du Rhin, c'est impossible. Alors, donnons du lustre au régime, et pourquoi attendre 1830, de façon à positionner l'expédition juste avant les élections législatives de 1830. Donc, rechercher un succès extérieur de façon à redonner vie à l'importance, à la solidité intérieure du régime de la Restauration. Le Conseil des ministres décide le 31 janvier 1830 de s'occuper de vieilles affaires qui traînent depuis longtemps et qui concernent la régence d'Alger. L'Algérie n'est nullement une nation. Il y a un dey d'Alger qui contrôle Alger et la région avoisinante et qui est un vassal lointain du sultan de Constantinople et qui contrôle donc surtout la côte. Donc on va faire une expédition navale qui ne pourra pas rencontrer une grosse opposition de la part du sultan de Constantinople. En plus, on sait plus ou moins que cette régence, elle est en état de révolte endémique depuis le début du siècle. Il y a le problème de la course aussi, qui en fait se fait surtout aux dépens des petits États italiens. Elle est interdite officiellement depuis le congrès de Vienne. Elle frappe assez peu la France, alors, qui est plus puissante d'un point de vue naval, que les sept États italiens issus du congrès de Vienne. Autre affaire ancienne, une affaire de fourniture de blé qui remonte à 1796, qui est très embrouillée. Et déjà en 1827, la Restauration a fait une démonstration navale, comme l'on dit pudiquement, une démonstration navale devant Alger pour demander des excuses pour une insulte qui aurait été faite au consul de France. En 1829, une nouvelle pensée très stratégique, vous allez voir, la Restauration pense à un blocus d'Alger, mais pas par la flotte française, qui serait fait par le pacha d'Égypte, le fameux Mehemet Ali, mais il faudra le payer, alors moyennant 8 millions de francs, et puis Mehemet Ali, on tergiverse et donne pas suite. À noter pour terminer qu'on ignore une bonne partie des réalités algériennes. Si, comme on va le voir dans un instant, on a de bonnes cartes, on ignore par exemple l'existence d'une très forte communauté juive à Alger, à Constantine et ailleurs. La préparation est très rapide, et c'est à l'honneur de la Restauration, d'un point de vue technique si vous voulez. L'expédition est annoncée par le discours du trône du 3 mars 1830, avec des pronostics très pessimiste dans la presse qui est contrôlée mais seulement à demi, et un des objectifs du régime, c'est de la contrôler davantage, ce sont les fameuses ordonnances de juillet 1830. En Angleterre aussi, on pense que l'expédition va se casser la figure, donc on s'en soucie assez peu. L'expédition est mise en route fin mai. On réunit à Toulon et à Marseille des troupes qui sont venues de toute la France. Donc, chaque grande unité dépêche une unité plus petite. 37 000 hommes au total pour l'armée de terre, 103 bâtiments de guerre et 305 navires de commerce pour le transport des troupes, pour l'essentiel. Avec une joyeuse discorde entre la marine et l'armée, chacune des méprisant souverainement l'autre.
C'est le ministre de la guerre lui-même qui commande l'expédition. Un ministre de la guerre, c'est le comte de Bourmont, qui n'avait pour seul fait d'armes, tenez-vous bien, que sa désertion à la veille de Waterloo. Le débarquement se fait à l'ouest d'Alger, dans la baie de Sidi Ferruche, et par méfiance des cartes, qui sont pourtant exactes, l'armée manque de perdre son chemin en marchant sur Alger. Alger qui est prise le 5 juillet 1830 et quelques jours plus tard, Beaune et Oran sont prises. Le débarquement de Sidi Ferruche et la prise d'Alger sont très abondamment iconographiés. Vous en avez une représentation sous les yeux si vous suivez avec le PowerPoint. Abondamment iconographié, ce qui est sciemment destiné à renforcer le poids politique intérieur du régime de la Restauration. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, les inquiétudes de la Grande-Bretagne. Le régime de la Restauration a aperçu le danger diplomatique, d'ailleurs. Et le gouvernement, qui est le gouvernement Polignac, dernier gouvernement de la Restauration, le gouvernement a d'ailleurs envisagé de se faire rendre par un incroyable système d'échange de territoires, de chaises musicales, si vous voulez, de se faire rendre la rive gauche du Rhin. Rien de cela. Ça montre que le désir d'expansion coloniale est plutôt ténu dans la Restauration. Troisième conséquence, l'envoi de troupes nombreuses, hein, 37 000 hommes par rapport à une armée de terre de la paix d'après 1815, hein, c'est une proportion importante. Et ce sont des unités, hein, des unités de valeur qui sont envoyées là-bas, en Algérie. L'envoi de troupes a facilité la révolution de juillet 1830. Vont manquer à Paris des troupes de valeur face à l'insurrection de juillet, face aux fameuses Trois Glorieuses. Et puis le ministre de la guerre, lui-même, il est absent puisque c'est lui qui commande l'expédition. Quatrième conséquence, la Restauration lègue un héritage très coûteux à la monarchie de Juillet. Très coûteux surtout parce que pour le nouveau régime de Louis-Philippe, la monarchie de Juillet, il est impossible d'abandonner cette conquête d'avant 1830 sans porter atteinte au prestige du nouveau régime. Si je lâche le petit bout d'Algérie qui a été conquise par mes prédécesseurs, je deviens un régime sans gloire, ridicule. Et si je reste, ça va coûter. Alors, le régime de la monarchie de Juillet choisit un moyen terme assez amusant. Il choisit une politique d'attente. C'est ce qui va être appelé l'occupation restreinte. Et proclamer l'occupation restreinte, c'est se ridiculiser. Alors, il y a officiellement des instructions qui parlent de la formation d'une importante colonie. Ces instructions officielles, qui sont connues de tous, provoquent la fureur de l'opposition libérale. Alors, le libéralisme, on a déjà vu le mot tout à l'heure dans un sens surtout économique. Le voici au sens politique du terme. Les libéraux de la monarchie de Juillet insistent sur le coût de l'opération du maintien de troupes en Algérie et de la formation d'une importante colonie. En fait, c'est l'occupation restreinte pendant les premières années du nouveau régime, avec rappel de troupes, d'autant plus qu'il y a des troubles intérieurs en France, notamment en 1832, c'est la fameuse insurrection parisienne qui est dépeinte par Victor Hugo dans Les Misérables, que tout le monde connaît. Le désir de ménager l'Angleterre est très important chez Louis-Philippe, qui songe à ce qu'on va appeler
L'entente cordiale, la première entente cordiale, celle de la monarchie de Juillet. Et puis il y a à la France, à la Chambre, pardon, il y a à la Chambre un parti anticoloniste, comme l'on dit à l'époque, on ne dit pas encore anticolonialiste, mais anticoloniste, un parti qui est mené par l'économiste Hippolyte Passy, dénonçant inlassablement le coût excessif de la colonisation. C'est ça qui est le premier facteur anticolonialiste en France, la dénonciation du coût de la colonisation. En fait, l'initiative décisive pour la conquête de l'Algérie vient de l'émir Abdelkader, dont vous avez un portrait. Il est alors très jeune, plus jeune que sur ses portraits. Il est d'une famille de marabouts de Mascara, en Oranie. Il s'appuie sur une confrérie religieuse, les Kadrias, et il a passé un accord très ambigu avec le général qui commande la division d'Oran en 1834. Il obtient le titre d'émir de la part de la France et en échange, il reçoit des armes. Le général, qui est Demichels, a cru s'en faire en allié, alors qu'en fait Abdelkader se sert des armes pour éliminer ses rivaux algériens. Et l'année suivante, en 1835, il passe à l'offensive contre les Français à la bataille de Lamakta, qui est perdue par les Français. Alors, le régime de la monarchie de Juillet réagit en nommant un gouverneur général des possessions françaises du nord de l'Afrique, titre ronflant, et ce gouverneur général, il pénètre dans l'intérieur de l'Algérie, soutenu très mollement par le gouvernement français, jusqu'à la défaite de Constantine à la fin de l'année 1836, et là le régime de la restauration, de la monarchie de Juillet, pardonnez-moi, c'était pour vérifier si vous suiviez bien, et j'en vois bien sûr qui ont rectifié d'eux-mêmes, on en revient à Paris à la politique d'occupation restreinte. Une occupation restreinte qui pousse le général Bugeaud, on le voit apparaître à ce moment-là, le fameux général Bugeaud, à conclure un accord, un traité avec Abdelkader, un traité en mai 1837, qui est quasiment un accord de partage. L'émir reçoit la majeure partie de l'Oranie et de l'Algérois contre une vague reconnaissance de la souveraineté française. Et puis il y a de grosses obscurités de rédaction dont Abdelkader profite. En novembre 1839, il proclame la guerre sainte et une phase décisive s'ouvre. L'année 1840 est une année charnière. On peut signaler qu'en 1839, donc juste avant qu'Abdelkader proclame la guerre sainte, la décision est prise à Paris de nommer enfin les possessions françaises dans le nord du continent africain. La formule utilisée est: le pays occupé par les Français dans le nord de l'Afrique sera à l'avenir désigné sous le nom d'Algérie. Le pays occupé par les Français, c'est donc typique de l'accord de partage provisoire avec Abdelkader. Mais quand en 1840, la conquête va vraiment commencer, ce sera la conquête de l'Algérie. Donc nous allons voir la conquête coloniale effective dans les deux parties suivantes, avec d'abord une deuxième partie sur les facteurs de la conquête coloniale entre 1840 et 1864. Et la notion de facteur, la notion de cause, si vous préférez, eh bien, nous la verrons pour après
1864 dans le deuxième cours, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Premier type de facteur, les facteurs économiques. Qui est-ce que ça concerne? On est à l'époque où commence seulement la première révolution industrielle, donc le patronat qui pousse à la conquête coloniale, ce n'est guère, ce n'est même pas du tout le patronat de l'extraction du charbon, le patronat de la sidérurgie ou de la métallurgie, ce sont les armateurs qui poussent à la conquête coloniale, ce sont les négociants, surtout dans les ports bien sûr, et les industriels d'industrie légère, exportatrices de produits de consommation. Donc, des industries légères, c'est le textile, par exemple, hein, bien sûr. D'une manière générale, sont très importantes les grandes maisons de commerce, comme celle des frères Régis à Marseille, sont très importantes certaines chambres de commerce, comme celle de Nantes et de Bordeaux, et il faut signaler aussi l'importance de la loi du 3 juillet 1861 qui établit la liberté d'exportation et d'importation dans les colonies françaises. Le Second Empire devient libre-échangiste en 1860 pour ce qui concerne la métropole. Et l'année suivante, pour ce qui concerne les colonies, c'est-à-dire à l'époque les vieilles colonies françaises et le petit bout d'Algérie que la France domine, une loi est votée en juillet 1861. Par la même occasion, ou plutôt avec quelques années de recul, il y aura union douanière entre la France et l'Algérie en 1867. C'est donc très clair. Très clairement, c'est la fin de l'exclusif colonial, comme on disait du temps de Colbert, c'est la fin du pacte colonial. Les arguments économiques sont très souvent utilisés pour désamorcer l'opposition des chambres de la monarchie de Juillet. Revenons à elle, évidemment. Car les dépenses de souveraineté sont à la charge de l'État. On dit, nous allons, en conquérant tel ou tel territoire, nous allons en tirer des profits, ou plus exactement, le secteur privé va en tirer des profits, ce qui permettra de payer l'administration, la défense, la justice, les cultes, la France est concordataire, l'instruction, que sais-je encore. Donnons quelques exemples. Sans être tout à fait exhaustif, l'intervention des Bordelais est décisive en 1864, donc à l'extrême fin de ma période, décisive contre le danger d'abandon de la Cochinchine. La France commence à s'installer en Cochinchine, qui devient un protectorat, et le gouvernement du Second Empire hésite. Et un des projets possibles, c'est l'abandon de la Cochinchine, la Cochinchine coûtant trop cher. Eh bien, les Bordelais, on les voit, armateurs et gros négociants, intervenir et être appuyés par le ministre de la Marine, Prosper de Chasseloup-Lauba. Ceci étant, tous les milieux économiques portuaires ne sont pas des farouches partisans de la colonisation. Par exemple, ceux de Bordeaux et de Nantes ne croient pas à l'avenir commercial de la côte du golfe de Guinée. Dernier facteur économique, les Saint-Simoniens. Ça paraît paradoxal, ma formule. Mais les Saint-Simoniens, après 1830, du Saint-Simonisme idéologique, la jonction entre l'Est et l'Ouest, par exemple, se convertissent, se transmutent en saint-simoniens pratiques, comme ils disent. Le saint-simonisme pratique,
Ce sont des sociétés d'études, comme la fameuse société d'études pour le canal de Suez, des subventions à des explorations, par exemple, subvention à Henri Duverrier, qui est le fils d'un Saint-Simonien, ça tombe très bien. Et il y a une obsession coloniale saint-simonienne, celle de la jonction entre l'Algérie et l'Afrique noire, celle que nous appelons maintenant l'Afrique subsaharienne. Des influences personnelles, certains essayant d'agir auprès de Napoléon III lui-même, qui a été dans sa jeunesse très sensible à la philosophie saint-simonienne, première manière. Deuxième type de facteur, les facteurs politiques. Facteurs politiques, qu'est-ce que ça signifie? C'est très précis, c'est très concret, c'est le lien entre l'expansion coloniale et le désir de puissance navale. Le régime de la monarchie de Juillet met sur pied un grand progrès naval, un grand programme, pardon, un grand programme naval qui comprend pas moins de 100 navires de guerre à vapeur. Et la marine est nettement envisagée par le Second Empire comme un instrument de grandeur du pays dans le monde, avec un nouveau programme naval qui, cette fois-ci, ajoute à la flotte à vapeur de la monarchie de Juillet une flotte cuirassée et bien réorganisée, bien dirigée, la marine, qui n'est plus la marine de 1830 qui cherchait Noise à l'armée de terre, la marine vise la gloire, le prestige et la rentabilité. Avec un souci de prestige international avant tout. La colonisation doit contribuer à la puissance de la France et à son rayonnement dans le monde. Deuxième facteur politique, la grande importance des initiatives privées de fonctionnaires et surtout d'officiers. Officiers de terre ou officiers de marine, ce qui est très net dans trois régions du monde. C'est très net dans le vaste golfe de Guinée, où ce sont des officiers de rang pas très élevé qui ont l'initiative et qui ensuite se font couvrir par le ministère de la Marine. Deuxième secteur, Tahiti. Tahiti, finalement, les hommes décisifs, par-dessus les missionnaires, ce sont des officiers. Et troisième secteur géographique, le Cambodge. Dans les trois cas, des officiers qui outrepassent les instructions ministérielles, celles du ministère de la Marine beaucoup plus que celles des Affaires étrangères, et puis il faut leur ajouter le rôle personnel de Louis Federbe au Sénégal à partir de 1854. À partir des petits comptoirs sénégalais, Federbe vise à l'exploration puis à la conquête de tout ce qui va s'appeler le Sénégal. Et pour le pouvoir politique, il s'agit de satisfaire l'armée. L'avancement, tout simplement. Ces officiers, bon, ils ont leur désir personnel, mais ils ont aussi l'œil fixé sur le tableau d'avancement. Ils sont ratifiés après coup, ratifiés et récompensés, progressent en grade. Troisième type de facteur, les facteurs idéologiques et intellectuels. Alors là, il faut repartir des missions qui sont très actives à partir de 1840, avec de nouvelles fondations, les missions africaines de Lyon, par exemple, qui sont fondées en 1854. Et la protection, le mot est toujours utilisé, la protection des missions des missionnaires devient parfois un prétexte stéréotypé, avec une couverture religieuse de l'opération navale, par exemple lors du débarquement
de Tourane en 1858. Dans le Moniteur universel, qui est l'équivalent de notre journal officiel du 14 novembre 1858, Napoléon III parle des sauvages persécutions auxquelles nos missionnaires sont en butte. Débute aussi, deuxième facteur idéologique, une vision impérialiste, par exemple chez un journaliste qui s'appelle Prévost, trait d'union, Paradol. Un Prévost Paradol qui voit dans l'Algérie un prolongement de la métropole et la véritable chance de survie de la France au XXe siècle, au siècle suivant. Hein, je n'ai pas fait de lapsus cette fois-ci. Les explorateurs précèdent très souvent la colonisation. Et puis il y a aussi de simples voyageurs qui créent un climat intellectuel, la littérature de voyage, l'exotisme en littérature. Des grands noms ici, Chateaubriand, mais aussi pour l'Égypte, Nerval, Flaubert, Théophile Gautier, Maxime Ducamp, Fromentin. Et tous les derniers que j'ai cités sont allés réellement en Égypte. Alors que Chateaubriand, bon, passons. Et la littérature coloniale restera très longtemps exotique. Et puis il y a des revues qui se créent. La Maison Hachette fonde Le Tour du Monde, titre significatif. Des revues qui préparent, qui précèdent les explorations et ou les conquêtes. Et se développe enfin une anthropologie du monde colonial, qui est une expression, qui était une expression de la théorie du bon sauvage autrefois. Eh bien, cette théorie laisse la place à un stéréotype racial méprisant qui va faire fortune tout au long de l'ère coloniale. Le stéréotype de la paresse des primitifs et de leur fourberie. Les Sakalava semblent avoir horreur de tout travail pénible et continu. Ils ne se mettent pas moins de 200 ou 300 pour faire la besogne d'une vingtaine d'Européens. Je tire cela d'un bulletin de la Société de géographie. Quant aux Malinkés, autre bulletin de la même société, ils sont fourbes, lâches et surtout très enclins au vol. Les Malinkés, admirez les raccourcis, sont grands, robustes, assez bien faits en général, mais très indolents. Il est assez commun de rencontrer chez eux des difformités. Quant aux Annamites, un certain Binotto les décrit ainsi en 1862. Hommes et femmes sont d'une laideur affreuse et d'une saleté révoltante. Ils exhalent une abominable odeur d'huile de coco. Et l'endégoûtante habitude de mâcher continuellement du betel ajoute encore à la répulsion qu'ils inspirent. Et le même Binotto rapporte à propos des cochins chinois que leurs mœurs, je cite, sont excessivement relâchées. Les femmes y sont d'une impudeur extrême et nullement attrayantes. Il y a non seulement parmi eux une débauche incroyable, mais encore, ils ne se font pas scrupule de livrer leurs femmes aux étrangers. Nous passons à une troisième partie qui va concerner les différents champs d'action coloniale, toujours entre 1840 et 1864. 1864, dont nous avons déjà vu une ou deux justifications, et ce n'est pas terminé, rassurez-vous. Alors, je ne vais pas essayer d'être exhaustif, mais de donner les points essentiels, ce qui est assez facile. Et il est impératif, comment faire autrement, de commencer par la conquête effective de l'Algérie à partir de 1840,
On a vu tout à l'heure pourquoi, jusqu'en 1857, et nous verrons pourquoi cette date provisoirement définitive. Donc en novembre 1839, Abdelkader a proclamé la guerre sainte, une phase décisive s'ouvre et l'année 1840 est une année charnière. Abdelkader espère dégoûter définitivement Louis-Philippe de l'Algérie. Il sait qu'il y a en France des gens qui protestent contre le coût financier et le coût humain de la conquête de l'Algérie. Donc il espère faire, par une guerre relativement limitée, pression sur le régime de la monarchie de Juillet. Mais en 1840, la monarchie de Juillet essuie un grave échec de politique extérieure au Proche-Orient et au Moyen-Orient. C'est un échec, bon, je ne détaille pas, un échec qui est un recul face aux autres nations et face à l'Empire ottoman. La France, donc, est obligée de se contenter d'être protectrice de quelques lieux saints à Jérusalem. Et Louis-Philippe va donc chercher la possibilité de rétablir le prestige compromis. Et comment faire mieux qu'en Algérie? En décembre 1840, il nomme le général Bugeaud gouverneur général de l'Algérie, en lui donnant comme but la conquête totale de l'Algérie. Bugeaud va instituer de nouvelles méthodes de conquête, des colonnes mobiles, utilisant beaucoup les chevaux, les mules et les ânes, et deuxième méthode nouvelle, la terre brûlée, de façon à retirer évidemment à Abdelkader une partie de ses possibilités de ravitaillement et de façon à frapper l'opinion algérienne. La terre brûlée, Bugeaud ne l'invente pas. Il reprend une tactique que les Espagnols avaient pratiquée contre les Français pendant la guerre d'Espagne, la guerre napoléonienne. Bugeaud obtient des effectifs considérables, très au-dessus des 37 000 hommes de tout à l'heure, et des effectifs qui sont supérieurs à 100 000 hommes, soit à peu près le quart de l'armée française. Parmi les chefs qui sont avec lui, beaucoup deviendront maréchaux sous le Second Empire. Des chefs qui sont de rudes entraîneurs d'hommes et qui sont bien souvent inhumains. Par exemple, Pélissier, qui deviendra maréchal sous le Second Empire, enfume des centaines d'Arabes qui sont réfugiés dans les grottes du Dara. Avantage pour Bugeaud, Abdelkader n'est jamais parvenu à faire l'unanimité des Arabes et des Berbères autour de lui. Un certain nombre de confréries, par exemple, celle des Taïbias, lui ont toujours été hostiles. La Smala, c'est-à-dire le campement nomade itinérant d'Abdelkader est prise par le duc d'Aumale le 16 mai 1843 en l'absence d'Abdelkader qui se réfugie auprès du sultan du Maroc au début de l'année suivante, donc au début de 1844. Alors le sultan du Maroc, c'est autre chose. D'abord, c'est un véritable souverain et il est totalement indépendant. Et il décide de protéger Abdelkader et d'arrêter l'armée française. C'est la fameuse bataille de l'Islé, le 14 août 1844. Pendant ce temps-là, le prince de Joinville, autre fils que le duc d'Aumale du Louis-Philippe, bombarde Tanger et occupe Mogador.
Mais la Grande-Bretagne réagit très vivement devant la perspective d'une installation française au Maroc. Alors, en septembre 1844, Bugeaud passe un traité avec le sultan du Maroc, traité qui consacre son indépendance. Abdelkader est contraint, par voie de soustraction de l'aide marocaine, de mener une guerre de guérilla, et contre lui, Bugeaud va utiliser les divisions algériennes. Il va aussi habilement, Bugeaud, s'opposer au prosélytisme développé par le premier évêque d'Alger, nommé en 1838, je dis bien nommé, hein, on est sous un régime concordataire, c'est Monseigneur Dubuche, et Dubuche, il a pour but, tout simplement, d'évangéliser l'Algérie, c'est-à-dire d'évangéliser les musulmans et les juifs aussi, éventuellement, d'évangéliser donc le peuple qui a tué le Christ. On est dans une première phase d'antisémitisme français. Il s'agit pour Bugeaud d'éviter une croisade qui serait dirigée contre la guerre sainte proclamée par Abdelkader et qui provoquerait une nouvelle guerre sainte. Donc il s'y oppose. Et Abdelkader se rend en novembre 1847 au duc d'Aumale qui a remplacé Bugeaud en juin de l'année 1847. Pourquoi ce remplacement? Tout simplement à cause de l'ardeur jugée trop belliqueuse de Bugeaud, qui cesse d'avoir l'oreille du gouvernement, et Louis-Philippe envoie son fils, le duc d'Aumale. Abdelkader se rend, il est fait prisonnier, il sera libéré par Napoléon III, qui l'autorisera à se retirer en Orient, à Damas, avec une pension. Et en 1860, date essentielle, Abdelkader ouvrira sa maison de Damas aux chrétiens de Syrie menacés par les Druzes, d'où l'augmentation de sa pension et le grand cordon de la Légion d'honneur. Quelles sont les dernières étapes pour ce qui concerne toujours la conquête de l'Algérie? D'abord, la pacification de la petite Kabylie sous la Deuxième République. Je n'ai pas encore parlé de ce régime intermédiaire entre la monarchie de Juillet et le Second Empire. Elle se manifeste très peu en matière coloniale, sauf pour quelque chose d'essentiel que nous verrons tout à l'heure. Et en matière de conquête, elle pacifie, entre guillemets, la petite Kabylie. C'est Saint-Arnaud, un fidèle de Louis-Napoléon Bonaparte, devenu président de la Seconde République. Louis-Napoléon Bonaparte l'envoie concrètement pour que Saint-Arnaud se mette en valeur et il jouera d'ailleurs un rôle de premier plan dans le coup d'État du 2 décembre 1851. Ceci étant, cette pacification de la petite Kabylie, elle est incomplète et il faudra une nouvelle campagne en 1853-1854. Quant à la grande Kabylie, elle est soumise, à nouveau des guillemets, par le général Randon, RANDON, jeu de mots facile bien sûr, en 1857. Voici la justification de la date de 1857. Il faut ajouter aussi, si l'on veut, que des expéditions militaires ont lieu sur la bordure nord du Sahara, oasis de Laghouat en 1852, et Touggourt est atteinte en 1854. Comment l'Algérie est-elle organisée? Eh bien, en matière d'organisation, il y a une double controverse. Controverse entre
partisans et adversaires de l'administration directe, c'est-à-dire depuis Paris, et deuxième controverse, celle entre les partisans de l'administration civile et les partisans de l'administration militaire. C'est surtout l'administration militaire, pour des raisons assez directes, qui est choisie par la monarchie de Juillet. Mais dans le même temps, la France favorise l'installation de colons européens, des civils pour la plupart, car très peu de militaires s'installent en Algérie. Des Européens pauvres comme de riches capitalistes, et à la fin de la monarchie de Juillet, il y a 110 000 Européens, dont à peu près 40% à Alger. Je dis Européens car parmi ces Européens, il n'y a pas seulement des Français, tant s'en faut, mais aussi des Espagnols et des Maltais. La Deuxième République suit une politique strictement civile pour favoriser l'installation de colons civils. Elle divise l'Algérie en trois départements dirigés par des préfets, comme en métropole, département d'Oran, d'Alger et de Constantine. Les colons, et eux seuls, deviennent citoyens et peuvent élire des représentants, ce qu'ils font, à l'Assemblée constituante de 1848, puis à l'Assemblée législative élue l'année suivante. Après juin 1848, il y a des colons qui sont envoyés en masse en Algérie avec des crédits très importants. Il s'agit de tenter de résoudre le paupérisme métropolitain, mais en fait, beaucoup d'entre eux reviennent en métropole. Sur les 20 000 colons envoyés, il y en a seulement 10 000 qui restent en Algérie. Le Second Empire hésite et revient sur ses premières décisions. Tout le monde sait que le Second Empire a institué, proclamé le royaume arabe que serait l'Algérie, mais en fait, le royaume arabe est sa dernière politique. Il y a d'abord un retour à l'administration militaire, celle du général Randon de tout à l'heure, qui règne en maître absolu sur l'Algérie jusqu'en 1858, avec de très dures décisions, des terres de parcours qui sont enlevées aux tribus pour les attribuer à des colons. Il concède de très vastes domaines à des grandes compagnies de colonisation, comme la compagnie genevoise, qui obtient en 1853 20 000 hectares près de Sétif. Un des actionnaires qui seront sur place de cette compagnie genevoise, c'est Henri Dunant, le futur créateur de la Croix-Rouge. Ensuite, il y a un éphémère ministère de l'Algérie et des colonies qui maintient le cantonnement mais qui supprime les concessions. La troisième phase, c'est le royaume arabe. Un régime plus proche du protectorat que de la colonie, malgré le maintien des départements. Et il est proclamé, ce royaume, sous l'influence d'un voyage que fait Napoléon III en Algérie et d'un Saint-Simonien qui s'est converti à l'islam, Ismaël Urbain. Napoléon III proclame sur le sol algérien: je suis l'empereur des Arabes aussi bien que des Français. Les autres éléments sont très simples pour ce qui concerne l'Algérie. Eh bien, se développe une anthropologie colonialiste raciste à son égard. Le musulman, c'est le fainéant par excellence. Et sont très importants les passages par l'Algérie d'officiers qui vont ensuite aller ailleurs. Mais oui, comme il y a une armée très importante, il y a beaucoup d'officiers qui passent un temps par l'Algérie et qui baignent dans cette anthropologie raciste, anti-musulmane et anti-arabe. Et c'est le cas de Federbe,
de Federn qui, une fois arrivé au Sénégal, va y dénoncer le danger représenté par, je cite, les forces fanatisées de l'islam. Et Federn, qui sera un grand républicain de la Troisième République, Federn est le père, au fond, du républicanisme anti-musulman, voire anti-arabe. Que se passe-t-il dans l'Afrique subsaharienne? Eh bien, une politique des points d'appui et une fondation de comptoirs dans le golfe de Guinée, à partir des possessions de Saint-Louis du Sénégal et de Gorée, des officiers vont donc établir des comptoirs qui sont souvent le point de départ de l'établissement de colonies françaises. Alors on les appelle points d'appui parce que il faut s'appuyer sur la côte de façon à faire de l'eau. Hein, ça, c'est la vieille tradition de la marine à voile, si vous voulez. Mais comme désormais la marine de guerre est en partie à vapeur, il faut aussi établir des dépôts de charbon. Alors c'est le point de départ de ce qui sera la Guinée française ou de ce qui sera le Gabon, bien sûr. Et le Sénégal, lui, il est développé considérablement par Louis Federbe, dont vous avez le portrait, gouverneur pendant longtemps, de 1854, date que nous avons vue tout à l'heure, jusqu'en 1865. Progression territoriale, échec de la culture du coton, mais fondation en 1857 du port de Dakar et donc de la ville de Dakar. Des campagnes militaires, surtout les campagnes qui sont menées contre le chef des Toucouleurs, El Hadj Omar, qui meurt en 1864. C'est aussi la création des tirailleurs sénégalais, dont nous reparlerons dans les cours suivants, bien entendu, et enfin la création de l'école des otages, que l'on appelle aussi un peu moins durement, un peu moins cyniquement, l'école des fils des chefs ou de chefs. Enfin, dans un dernier point, voyons les autres territoires. Je m'excuse de l'espèce de fourre-tout que je crée tout à fait involontairement. Commençons par les vieilles colonies des Antilles et de l'île Bourbon, c'est-à-dire de la Réunion. Ici, le fait essentiel, c'est l'abolition de l'esclavage grâce à Victor Schœlcher. Abolition de l'esclavage en 1848, au tout début de la Deuxième République. Il y avait eu à la fin de la monarchie de Juillet une vigoureuse campagne abolitionniste et les hommes du gouvernement provisoire sont tout à fait acquis à l'idée d'émancipation. Ils constituent donc très très rapidement une commission présidée par Victor Schœlcher. Le principe de l'abolition a d'ailleurs été proclamé dès le 4 mars, donc quelques jours après la Révolution, dès le 4 mars 1848, car, je cite, intimement lié au principe même de la République. C'est une formule de Schœlcher lui-même. Il y a bien sûr un combat d'arrière-garde des colons, mais le décret est pris dès le 27 avril 1848, donc sans attendre la Constitution, la mise sur pied des institutions définitives de la Deuxième République, un décret gouvernemental d'abolition immédiate et universelle de l'esclavage dans les colonies françaises. Et 250 000 esclaves, à peu près, deviennent citoyens. Cette citoyenneté française
accordée aux esclaves concerne donc les vieilles colonies françaises, celles que j'ai énumérées tout à l'heure. Il faut dire qu'il y avait eu des révoltes, des fuites avant le mois d'avril, parce que les esclaves sentaient bien que la proclamation, que déjà la monarchie de Juillet pensait abolir l'esclavage, que la proclamation de la République, ça signifiait la proclamation de l'abolition de l'esclavage, et le délai d'acheminement du décret est très long dans certains cas, pensez à la Réunion par exemple. Donc il y a des esclaves qui prennent, à juste titre, les devants. Que se passe-t-il dans l'océan Indien, outre évidemment l'abolition de l'esclavage à la Réunion? Eh bien, quelques essais d'influence à Madagascar, par exemple, un vague traité d'amitié en 1862, mais la Grande-Bretagne veille et fait obstacle à la création en 1863 d'une compagnie de Madagascar qui serait le prélude à une mainmise économique sur la grande île. Deuxième secteur, la Chine. Par le traité de Nankin en 1842, la Chine, comme vous le savez sans doute, a cédé Hong Kong à la Grande-Bretagne et lui a ouvert Singapour. Les États-Unis obtiennent dans la foulée la même chose et la France, eh bien, réclame et obtient la même chose lors d'un traité qui est passé en 1844. Elle obtient en plus, la brave France, la protection des catholiques dans toute la Chine. Rude tâche, évidemment. Mais la Chine inévitablement résiste, d'où une expédition commune franco-britannique qui aboutit à un autre traité en 1858. Nouvelle expédition nécessaire, comme on dit à l'époque, en 1860. Alors là, on n'y va pas doucement. C'est le fameux pillage de Pékin avec la mise à sac et l'incendie du palais d'été. Deuxième traité, ou énième traité, avec des indemnités et de nouveaux ports qui sont ouverts, y compris à la France. Autre secteur, l'Indochine. Des missions catholiques avaient eu lieu en Annam dès le début du XIXe siècle, avec une grande inquiétude de la part des souverains. L'Annam est un empire, et l'empereur Tu-Duc, en particulier, persécute, entre guillemets, les missionnaires. Réaction de la France. Quelques démonstrations navales, comme en 1847. En 1858, le port de Tourane, c'est Danang en vietnamien, est pris par l'amiral Rigaud de Genouilly. Et la France, la marine française en particulier, souci du pavillon, et je dis tout à l'heure, la France est la seule puissance navale importante qui n'ait aucune possession en Extrême-Orient. Alors, le Second Empire décide de laver cet affront et de débarquer à Saïgon, très intéressant, beaucoup plus intéressant que Danang, parce que Saïgon, c'est le débouché de la Cochinchine, et le même Rigaud de Genouilly débarque à Saïgon en 1859. Mais les troupes françaises sont affaiblies, notamment par l'expédition de Chine, il a fallu prélever des troupes, et elles sont assiégées jusqu'en 1861. Rassurez-vous, elles sont libérées, et en 1862-1863, par deux traités, Tu-Duc abandonne la moitié orientale de la Cochinchine et il ouvre trois ports annamites au commerce français.
En outre, il promet de respecter la religion catholique et d'abaisser les droits de douane de moitié. En France, les députés ratifient les traités seulement en 1864, car il y a eu beaucoup d'hésitations et au même moment a lieu l'expédition du Mexique. Donc les parlementaires considèrent que ça fait trop. En tout cas, entre-temps, le Cambodge s'est placé sous protectorat français grâce à l'expédition de Doudart de Lagray et surtout grâce à la menace qu'exerce sur le roi Norodom à la fois le Siam et l'Annam. Donc le roi du Cambodge demande protection à une tierce puissance, la France, et le Siam reconnaît le protectorat français sur le Cambodge en 1867. Dans l'océan Pacifique, c'est l'annexion des Marquises en 1842. Pour une fois, ce n'est pas une initiative individuelle, c'est un marin, l'amiral Dupetit Thouars, qui agit sur ordre du gouvernement français. Il fait signer, encouragé cette fois-ci de sa propre initiative, un traité de protectorat à la reine Pomaré de Tahiti en 1842. Et toujours de sa propre initiative, il fait arrêter la reine, purement et simplement, en 1844. Alors, ces deux initiatives individuelles provoquent un violent conflit avec la Grande-Bretagne et Guizot décide de s'en tenir à un pur et simple protectorat et à ne pas établir Tahiti comme une colonie. En 1843, ça va vite, hein? En 1843, les États-Unis demandent à la France et à la Grande-Bretagne de ne plus intervenir à Hawaï. Cette double crise vis-à-vis de la Grande-Bretagne et vis-à-vis des États-Unis, qu'on voit apparaître pour la première fois, cette double crise provoque un temps d'arrêt dans l'expansion coloniale française dans l'océan Pacifique. Tahiti, disons-le tout de suite, ne sera annexée qu'en 1880. Mais au sud de l'océan Pacifique, la Nouvelle-Calédonie est prise par la France en 1853. Alors pourquoi? Toujours la rivalité franco-anglaise. Il s'agit de faire pièce à la Grande-Bretagne installée en Australie, lieu de déportation. Alors comme la Grande-Bretagne est installée en Australie et que, on l'a vu tout à l'heure, la Nouvelle-Zélande est considérée comme une chasse gardée par la Grande-Bretagne, faute de mieux, on s'installe en Nouvelle-Calédonie, dont le chef-lieu est établi à Nouméa en 1854. Là, évidemment, je touche à une histoire immédiate devenue brûlante ces derniers temps. À signaler que la Nouvelle-Calédonie ne deviendra un lieu de déportation qu'en 1863 seulement, les premiers forçats arrivant l'année suivante. Dernier secteur, le plus bizarre apparemment, le Mexique et sa campagne, comme l'on dit. Alors on dit aussi, parce que le mot de campagne n'est pas très reluisant, on surnomme la campagne du Mexique comme étant la grande idée du règne de Napoléon III, puisque la campagne du Mexique s'étend entre 1862 et 1867. D'après des recherches assez récentes, la cause essentielle de cette campagne transatlantique a priori bizarre, c'est le besoin d'argent métal, précisai-je. En effet, l'or dans le monde, l'or monétaire, est devenu abondant depuis
les années 1848-1852, avec les grandes découvertes dans l'Ouest américain, en particulier en Californie. L'or est donc devenu abondant, l'or est donc devenu moins cher que l'argent, relativement, ou si vous préférez, l'argent a vu son prix s'enchérir. Or, la France est un pays de bimétallisme. Le franc français est défini depuis Napoléon Bonaparte à la fois par rapport à l'or et par rapport à l'argent. Comme les deux métaux voient leur valeur relative se transformer rapidement, de petits malins essayent de jouer sur le couple valeur des métaux, valeur du bimétallisme français. Alors, afin d'arrêter ça, eh bien, la France décide, grâce à une espèce d'héritage, celui des bons Jecker, décide d'intervenir en revendiquant une part des mines de la Sonora, des mines d'argent. Et il faut une campagne militaire pour réclamer sur place ces mines d'argent. À noter que cette campagne militaire se place dans une assez courte période de dépréciation de l'or et d'enchérissement de l'argent. Ensuite, grâce à toute une série de causes, l'argent va voir son cours s'effondrer et deviendra un métal assez vil à la fin du XIXe siècle, tout étant relatif naturellement. L'aventure mexicaine va, malgré les désastres militaires sur lesquels je passe, maladies, épidémies, fautes militaires, etc., etc., l'aventure mexicaine va profiter financièrement à la France, mais elle va aussi jeter le discrédit sur les aventures extérieures, d'où les hésitations de la Troisième République initialement. Une petite conclusion pour terminer ce premier cours. Des bases nouvelles pour un nouvel empire colonial ont donc été jetées grâce à des considérations politiques, au jeu des personnalités, grâce aux questions de prestige, qui ont compté bien davantage que les impératifs économiques. Deuxième point de la conclusion, la coupure de 1864 se justifie par la ratification de l'acquisition de la moitié de la Cochinchine, par le protectorat sur le Cambodge, ces deux premiers éléments étant évidemment point de départ de la conquête de toute l'Indochine, qui va devenir la pièce maîtresse de l'empire colonial français, avec l'Algérie, bien entendu. Deuxième justification de la coupure de 1864, la Société de géographie de Paris, je m'excuse, la Société de géographie de Paris se convertit brutalement à ce qu'elle appelle brusquement la géographie utilitaire, c'est-à-dire entre autres à la colonisation et à la colonialisation très souvent pour des raisons économiques. Et elle va devenir un groupe de pression très important. Troisième et quatrième justification, la mort d'El Hadj Omar, on l'a vu tout à l'heure, et le départ de Federn qui quitte le Sénégal. Troisième et dernier point de la conclusion, la soi-disant période de recueillement, formule du duc de Broglie, des débuts de la Troisième République, ne résiste pas à l'examen. Le duc de Broglie en question, c'est le fils de celui que nous avons vu plus haut dans le cours. Ça ne résiste pas à l'examen car au début de la Troisième République, comme nous le verrons dans le cours suivant et dans le troisième, des actes très importants à court et long terme pour l'Algérie et l'Afrique subsaharienne sont pris
Et il n'y a donc pas de véritable solution de continuité entre l'expansion coloniale sous le Second Empire et celle qui est poursuivie sous la Troisième République. Je vous remercie de votre attention et je rappelle que je pourrais, si vous le désirez, à la demande, envoyer le texte long de ce cours. Il fait 19 pages, ce que je ne pouvais pas tout dire par oral. Vous m'envoyez un courriel à domilejeun sans le E final, @aol.com. Je peux vous envoyer aussi le PowerPoint si le secrétariat de l'Université ouverte ne vous l'a pas envoyé, ce qui m'étonnerait bien sûr, et je mettrai ce cours, comme toutes les conférences que j'ai faites jusqu'à présent à Besançon et comme je ferai pour les cours suivants et les conférences suivantes, je mettrai ce cours sur le portail du CNRS, HAL, ensuite Sciences humaines et sociales, et en tout cas Dominique Lejeune. Je vous remercie définitivement de votre attention et je vous donne rendez-vous pour 3 autres cours et une conférence.